Bonsoir la France. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to shore you. C'est vrai, le 25 novembre, je vais être à Bercy pour une grande moment de concert jusqu'au 5 décembre. Mais c'est sûr que ce soir, un incroyable talent. Je crois que c'est le public le plus exceptionnel ce soir! Vous savez... C'est... Vous savez, je voulais remercier ce soir René, qui a eu la grande idée la semaine dernière, où il y a plusieurs semaines, de m'envoyer dans un institut clinique vétérinaire à Las Vegas pour me relooker complètement. Parce que ça, il avait dit, tu peux pas rester comme ça en femme de Cro-Magnon comme les auditions l'autre fois. Alors, c'est sûr, René m'a dit, je vais te gaufrer la crinière arrière pour te donner du volume. Mais je vais t'épiler la frange au laser. Je vais te scalper les aisselles. Je vais te limer toutes les dents de devant pour avoir un pare-choc blindé pour faire face aux agressions du jury. Et... Here we go for it now! Et René m'a dit... Et tu sais... Je vais te raboter le maillot. Parce qu'il faut se méfier de Gilbert ce soir, on ne sait jamais. Il serait bien... Il serait bien capable de venir voir sous ta robe pour voir si c'est un faux ou un vrai Titanic qui a caché là-dessous ce soir! Dave! Dave! Que Dave! Oui, Soumettez-vous au jugement, Dave! Mais vocalement, je peux vous dire, vous m'avez encore ébloui et je ne sais pas si ce soir on n'existe pas à la mort en direct de M. Minard avec ses cheveux roses. Je crois que je, si jamais M. René veut encore faire des enfants à Céline et qu'elle ne pourra pas à Las Vegas, vous pouvez faire, la remplacer sans aucun problème. Merci, Dave! André! Ce que j'aime chez vous... C'est que vous êtes plus vrai que vrai, plus vrai que Céline. Vous sortez jamais de votre personnage. Vous êtes drôle et vous chantez bien. Moi, je vous adore. Mais c'est gentil. Hein? Ça, c'est Sophie! Sophie! Écoutez, c'est vraiment un dosage parfait d'humour. Votre performance vocale, alors ça, c'est extraordinaire. C'est vrai. Et vous avez une présence scénique éblouissante. Ah, bravo. Formidable. Vous savez, Sébastien, je vous aime, moi.
Tellement que si on était seul sur un bateau, il restait juste une ceinture de sauvetage. Je m'ennuierais beaucoup de vous. Mais on n'a pas envie que le jeu s'arrête. C'est tellement bien tricoté. Et je voudrais vraiment vous dire que vous êtes une inspiration pour les écoliers parce que, grâce à vous, ils savent qu'il faut aller au bout de ses rêves. Et alors, merci à vous, Sébastien, et merci, M6. En tout cas, nous aussi, on est fans. Hein? Bravo, Céline. Merci, c'est gentil. Bravo, Costic. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. Allez. Merci.